Amen. Je peux parler. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux parler. La Bible dit, par fort de connaissance, mon peuple périt. C'est à partir de la connaissance qui vient de l'élévation. Si vous voyez quelqu'un qui est cadre, c'est qu'il a une connaissance dans la tête. C'est cette connaissance-là qui a fait qu'il est cadre aujourd'hui. Voilà. Donc la connaissance apporte la grandeur. Vous dites, vous allez à l'école là, c'est pas pour jouer. Amen, l'école, ma qui étudier. Avoir de la connaissance. C'est à partir de la connaissance. Dieu se servira de cette connaissance pour t'élever. Parce que si tu n'as rien, il ne fera rien pour toi. C'est ça que maintenant là, vous devez étudier. C'est vrai, pourquoi je vais prier pour vous? Parce que l'ennemi peut venir détruire, qu'on appelle le sorcier, cette connaissance-là. Il peut même venir, ce qu'on appelle l'intelligence. Cette capacité de retenir la mémoire. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Il retient là, c'est ça qu'on appelle la mémoire. C'est cette intelligence-là que le sorcier détruit. Parce que c'est que si tu es intelligent, à 100% tu seras cadre. Donc il vient, il détruit ça. Tu vas à l'école, tu ne comprends plus rien. C'est que quelque part, il y a eu la main ennemie. Je vous exhorte à suivre Jésus-Christ. C'est vrai que je vais prier pour vous. Mais en même temps, la Bible dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Et lui, il écrasera nos ennemis. Dieu, c'est avec lui. Amen. On ne peut pas penser à l'élévation et puis exclure Dieu de nos vies. C'est mal pensé d'ailleurs, et puis c'est pas juste. Pourquoi? Parce que c'est à lui l'élévation. C'est Dieu qui élève. Donc c'est pour lui qu'il y a partout d'aujourd'hui. Attache-toi à Dieu. Et avant toute chose, confie ta vie à Dieu. Avant d'aller à l'école, confie ça à Dieu. Dieu aime bien ça. Il aime bien ça. Ah oui. N'attendez pas forcément le malheur ou les moments difficiles pour invoquer Dieu. Non. Soyez des amis de Dieu. Marchez avec lui. C'est vrai que ce n'est pas facile à cause de l'amour. Beaucoup de choses à l'école, beaucoup de choses. Si tu veux être béni, il faut être l'ami de Dieu. Tu es ami de Dieu, à 100% tu seras béni. Parce que la Bible dit que c'est sa bénédiction qui enrichit. Elle ne fait souvi d'aucun chagrin. Amen. Je n'ai pas encore mangé, mais je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et que ce matin, ceux qui avaient des difficultés au niveau des études, et qui à partir d'aujourd'hui, cet instant même, que Dieu vous ouvre des portes. Que Dieu vous donne de l'intelligence. Et les meilleurs. Marquez vos générations. Vous êtes des champions. Il faut te mettre ça dans ta tête. Que là où tu es là, tu es un ambassadeur de Dieu. Oui, tu dois marquer ta génération. Et dites ça à Dieu. Les études, là, c'est pour toi. J'ai reçu des mails. C'est toi, je vais servir mon argent. Ne permets plus à Satan de jouer à moi. Ne permets plus au diable de jouer à moi. Et si Satan arrive à t'avoir, c'est que Satan a raison. Parce qu'il ira demander à Dieu d'abord la vie de Dieu pour avoir accès à ta vie. Tu le vois, non? Il dit, t'es pris. Il ne marche pas comme tu veux. Comme les données. Dieu dit, mais tu as raison. Et puis tu manges. Non. Amen. Amen. On dit l'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent. Et les arrêts du danger. Amen. Ça, je vous dis aujourd'hui, attachez-vous à l'éternel. Il n'oublie jamais. Il est fidèle. Tu veux être béni. Ami de Dieu. On dit amen. Vous avez ma bénédiction ce matin. La grandeur sur vous. Vous allez tourner jusqu'à. Vous serez joué à votre poste. Amen. Dieu t'a choisi pour quelque chose. Vous avez vu que David, Joseph, il a eu un rêve, un songe. Il a été
l'ont jeté dans un puits. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Pour étouffer le rêve même, il s'est retrouvé en prison. C'est la prison d'aller à la prémature. Amen. À partir d'aujourd'hui, l'ennemi ne te fera plus votre bénédiction. Amen. Il sera un sujet de bénédiction pour vous. Là où il va te mettre, là, ça sera pour toi une bénédiction. Amen. 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 Oh, tu es Dieu vivant et puissant. Tu es tellement réel, Jésus-Christ. Et tu vis éternellement, notre Dieu. La grandeur, la prospérité, l'élévation. Bénis les études de ces bien-aimés, Seigneur notre Dieu. Tu lèves-les, Seigneur notre Dieu. J'ai en face de moi les champions, Seigneur. Ils ont besoin de ton aide, Seigneur notre Dieu. Merci de les bénir. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Merci notre Dieu pour la journée. Que tu bénis maintenant notre Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous demande de respecter vos instituteurs. Respectez-les. Amen. Avec beaucoup de sagesse. Soyez très sage. Quand vous distribuez les bonbons, s'il vous plaît. On est d'accord? S'il vous plaît. On va vous distribuer des bonbons. On est d'accord? Amen. J'ai besoin de trois personnes, pas toi. Quoi, t'as?